Bonjour, salut tout le monde. En tout cas, comme toujours, on parle sur la même chose. Pourquoi? Parce que on voit que la justice, le corticolex qui est en train de travailler, ils n'ont pas encore avancé pour faire tomber ce groupe. Comme toujours, je parle sur Maria Femme, la femme là de Romanie, sur Amina, la tricheuse de l'argent. Sur l'Africain avec les transsexuels que j'ai parlé sur lui. Et en tout cas, il y a des gens qui sont en train de me dire c'est des femmes. Peut-être c'est eux-mêmes qui sont en train d'envoyer des messages. En tout cas, c'est par exemple qu'on dit ce groupe-là, ils ont un bail avec des Suisses ou bien des Français. Il y a du Suisse là que j'ai parlé, j'ai dit Jacques Anedao, ECB. En tout cas, s'il veut pas que je parle sur lui, alors il va dire à la police, il va raconter le bail qu'il a fait, parce qu'il a dit, il m'a dit lui-même qu'il connaît fait un. Il m'a dit plusieurs trucs et plusieurs informations directement avec moi quand je suis allé visiter sa maison. Le deuxième, j'ai parlé sur Lydia, la fille là qui est l'amie de Daoud, l'amie de beaucoup de dealers de drogue là bien. En tout cas, aussi, j'ai parlé sur le Brésilien. Le Brésilien là, le policier, le civil, il a coupé aussi mon chemin. Ça veut dire dernièrement parce que j'ai parlé sur lui. Et automatiquement, comme vous savez, un groupe de du policier aussi, je connais. Et je connais plusieurs policiers qui je peux dire qui c'est lui qui m'a dit ça. Et je peux prouver aussi avec des détails les personnes qui étaient avec eux. Il y a aussi un autre policier, moustache, comme on dit. La taille des petits, c'est pas il y a deux personnes, il y a un autre moustache là, un policier qui toujours il fait le patriote. Mais ce que je parle, c'est un civil et je connais aussi le groupe avec lui et plus des informations. Ça veut dire c'est clair qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comme toujours et comme d'habitude. Et c'est eux le chemin, comme on dit, le chemin des bélélés, les psychiatres, etc., sont en train d'obliger tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, alors ils vous envoient à bélélés, à l'hôpital psychiatrique. Alors les gens là qui sont en train de travailler, automatiquement, c'est des gens, des bélélés. Pourquoi? Parce que comme ça, ils vont être protégés par les médicaments. Et les médecins, si un jour ils vont le rattraper pour aller en prison, alors ils vont l'envoyer dans une psychiatrie et comme ça, ils vont le cacher. Mais moi, ce qui m'intéresse pour le moment, ça m'intéresse que ce groupe, ils vont passer à la justice. Ça veut dire minimum, mari et femme, vous pouvez demander des questions. Est-ce qu'il me connaît ou ne me connaît pas? Automatiquement, peut-être il va dire oh, non, je ne connais pas, et tout le monde va. Mais c'est bien parce que si quelqu'un il va mentir devant la justice, après on va prouver le contraire, il va passer une période de prison seulement parce qu'il a menti. Alors, c'est bon, qu'est-ce qu'on nous sommes en train d'expliquer. La deuxième chose, pour parler sur la mère de mes enfants, j'ai dit et je répète, et c'est pas elle qui est en train de me déranger. Et c'est pas possible qu'elle est en train de me déranger. On a dit qu'il y a aussi des autres explications. Elle, il n'a pas le courage de me dire pourquoi et quelle raison il a fait des enfants avec moi. Et pourtant, que vous savez que j'ai dit que moi je suis un fils génétique d'Adolf Hitler. C'est pas mon grand-père, c'est mon père directement. Ils ont gardé quelque chose de lui et après ils ont donné à ma mère la princesse Diana, comme toujours, la même histoire et le même but. Et moi, ce que je demande seulement pour rattraper ce groupe, pourquoi? Parce que c'est des gens, ils sont pas normaux. Quand j'ai parlé sur l'Africain là, automatiquement, peut-être ils ont aussi des choses, des drogues. J'ai parlé aussi sur le cours suprême. Quand je suis encore, en tout cas, j'ai parlé le 5 juillet
vers la justice là à Vienne, genre à Berlin, en 2019. Et aussi, j'ai terminé l'explication quand j'étais vers le Cour suprême. Ils ont pas regardé ça, pourtant c'est grave, qu'est-ce qu'ils sont en train d'y faire. Et la deuxième chose, pour dire, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a des autres pays qui sont intéressés, par exemple pour la Suisse, et c'est eux-mêmes qui sont en train d'y faire ça. En tout cas, moi, de ma part, moi j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire, si j'ai parlé, j'ai dit qu'il y a du ministère de l'Algérie qui m'ont demandé pour prendre un avion, ça veut dire forcer un avion, changer la direction d'un avion, prendre les gens qui sont en avion en otage. Et j'ai parlé aussi sur des crimes devant la justice. Ça veut dire, moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire, si les généraux là qui ont demandé de faire ça, si eux, ils n'ont pas correct. Alors ça, c'est comme on dit, c'est une attaque terroriste. Ce qui eux, ils ont demandé. Ils m'ont demandé de faire une attaque terroriste. Ça veut dire, moi, je suis clair, moi, j'ai pas parlé sur un pays directement. J'ai dit, ah, c'est la Suisse qui m'a dit. Mais il y a des gens là en Suisse qui m'ont demandé de faire ça. C'est comme la fille que j'ai parlé, j'ai dit qu'elle s'appelle Lydia. C'est comme les transsexuels qui j'ai parlé toujours sur eux. Avec l'Africain là, et pour ça, lui, il est venu plusieurs fois vers moi, il m'a attaqué plusieurs fois. Et puis aussi, j'ai parlé pour beaucoup de choses qui m'ont demandé aussi sur les crimes des enfants, etc. Et j'ai montré moi le chemin. J'ai dit, c'est qui exactement? J'ai parlé, j'ai dit, la tête qui est en train de faire ça, c'est Maria Femme. Alors, j'ai dit qu'ils sont des gens, ils sont infiltrés pour les réseaux des rouges, ça veut dire depuis des années qu'ils sont là. C'est pas seulement aujourd'hui. Alors, j'ai parlé sur Ali. Ça veut dire, lui, il est avec qui? Est-ce que c'est son fils? Ou bien, lui, il a engagé les transsexuels là qui sont vers Mâche, c'est leurs yeux. En tout cas, je sais pas, moi, il y a des chances que je sais pas exactement si moi je connais vraiment le numéro de la maison. C'est fini cette histoire et j'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est fini parce que moi je trouve toujours la solution. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Seulement les gens ils ont peur. Pourquoi? Parce que eux ils menacent des gens avec des photos sur Internet ou bien ils vont leur faire peur ou des autres personnes ils sont en train de menacer avec des choses et des chemins. Pas correct, mais en tout cas pour moi c'est pas difficile parce que moi j'ai pas fait la paix et j'ai pas peur de ces histoires-là. Ils vont publier mes photos sur internet ou bien ils vont tricher sur moi ou bien ça m'intéresse pas moi ça. Ce qui m'intéresse c'est la liberté de tout le monde, la paix de tout le monde. Tout le monde il va vivre en paix après cette guerre que je vais faire. Alors, j'ai parlé aussi sur des gens là qui viennent vers moi au lac. Ça veut dire, moi, je suis au lac. Il y a certaines personnes qui ont un complot avec eux. Et moi, je sais qu'ils ont déjà fait la paix. Alors, ils viennent à côté de moi, ils restent à côté de moi. Ils commencent aussi de nouveau à me provoquer. Ils passent pas limite parce que s'ils passent limite, ils vont terminer à l'hôpital. Ça, 100%, il aura une histoire. Et après, il aura la police qui vient. Et j'espère pas qu'il va venir. Le groupe de policiers de Maria Femme, comme toujours, il vient pour me visiter aussi de nouveau. Alors, c'est ça, qu'est-ce que je voulais raconter aujourd'hui. Et je voulais vous dire, vous annoncer qui c'est bon, c'est fini. Et pourquoi vous êtes en train de perdre le temps. Rattrapez-le, rattrapez ce groupe. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.